Les vierges, bienvenue sur Five Star Tarot. Les vierges, bienvenue sur Five Star Tarot. Welcome back pour les anciens. J'arrive tout de suite, les vierges. Ça va être plus rapide comme ça. En tout cas, j'utilise un nouveau deck, les vierges, le deck des sorciers. Donc mes guidances vont changer un petit peu. J'ai commencé à apprivoiser ce jeu que je trouve super, super intéressant. Donc ça me fait vraiment super plaisir de l'utiliser. Voilà. Le deck des sorciers. Voilà les vierges. Vous imaginez tirer un canon sur un eucalyptus comme ça, sur de la sauge comme ça? Vous imaginez ça les vierges? Ok. Défoncez à la sauge avant de vous faire la guidance, quoi. Alors les vierges, je tiens à préciser que je ne me défonce à rien du tout. Hein. La cigarette, l'alcool, poppers, héroïne, crack, cocaïne, je prends absolument rien de tout ça, les vierges. Mais c'est important, il faut que vous le sachiez. Ok, les vierges, bienvenue sur 5 Star et welcome back pour les anciens. J'utilise ce nouveau deck, les vierges, c'est le deck des sorciers. Et vous allez voir que ça change l'énergie des guidances et que je suis en train de l'apprivoiser en ce moment, donc... On est en train de faire connaissance, lui et moi. Et c'est un super deck et je l'adore. Mais... Donc voilà, c'est parti les vierges. J'envoie directement votre guidance. Je vous invite les vierges à aller jeter un coup d'œil sur Introduction à la nouvelle saison dans le All Sign. Je vous invite à aller regarder parce que je pense que c'est important. Et ça m'évitera de rappeler les mêmes choses qu'on vient de quitter un cycle de 19 ans. Qu'on est dans Mercure rétrograde Gémeaux jusqu'au 6 ou 7 juillet, je crois, donc les énergies sont encore très présentes, qu'on a passé deux super lunes, qu'on est aussi en train de rentrer en double rétrograde avec Saturne rétrograde jusqu'en octobre. C'est vraiment l'époque, le moment du jugement dernier qui a été écrit dans tous les textes bibliques et aussi dans tous les anciens textes des civilisations mayas, sumériennes, atlantes, babylonienne, enfin depuis il y a extrêmement longtemps, hein, plus de 5000 ans les vierges, et donc c'est vraiment les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On est vraiment dans cette énergie là, on quitte l'ère du poisson, l'ère du Jimmy, l'ère du Simon Says, l'ère de l'illusion pour rentrer de plein pied maintenant dans l'ère du Verseau avec l'émergence des nouveaux marchés, des nouvelles technologies. Investissez sur le Shiba et le Dogecoin, vous pourriez vous réveiller et être millionnaire du jour au lendemain, on ne sait jamais. Les vierges, c'était une petite parenthèse comme ça et je reviens tout de suite à votre guidance. Mais si je vous dis tout ça, c'est que vraiment, on est en train vraiment de rentrer dans l'ère du Verseau, vraiment. Et ceux qui veulent revenir dans le monde des morts, dans le monde des zombies, dans le monde de la consommation, ceux qui veulent repartir en arrière, ceux qui veulent se transformer en produit de consommation, cela, on en entendra bientôt plus parler, puisque ils vont perdre leur humanité, tout simplement, les vierges. Donc on est vraiment en train de rentrer de plein pied dans le nouveau monde, et les vierges, je pense que les plus courageux d'entre vous
feront partie du nouveau monde. En tout cas, si vous êtes sur 5 Star, je pense que vous ferez partie du nouveau monde, les Vierges. Avec justement les nouvelles technologies, les nouveaux marchés et toutes ces connaissances qui nous ont été enlevées et qui sont en train de revenir avec nous, avec toutes ces connaissances sur la psyché, les Vierges, sur tous ces nouveaux pouvoirs qui nous sont octroyés en ce moment, les Vierges. Et je sais que vous avez énormément pris sur la tronche, les Vierges, et que vous êtes aussi peut-être dans ces parcours flammes jumelles, les Vierges, avec la féminine sacrée et le masculin sacré. Regardez ces deux croissants de lune qui sont en train de s'écarter pour laisser derrière une pleine lune, en fait. Ce sont les deux croissants de lune de l'illusion pour laisser apparaître la pleine lune, pour laisser apparaître un nouveau monde. Et ce sont vraiment deux énergies, le yin et le yang, la polarité consciente et la polarité inconsciente de l'univers, comme ce magnifique macramé qui est juste derrière moi, qui représente le yin et le yang, la polarité féminine et masculine de l'univers. Allez vous renseigner si vous ne savez pas ce que c'est que le zen, vous tapez zen sur Google et vous aurez des renseignements là-dessus. Je ne suis pas un zen master, mais si vous allez sur Google, il y a énormément de gens qui font ça très bien, les Vierges. Et si vous voulez vous procurer des macramés comme ça aussi, vous pouvez me contacter ou contacter la maison d'Azoline sur Saint-Denis ou Lily Macramé sur internet. Vous allez voir Lily Macramé, c'est elle qui fait ça. Et avec des soins Reiki et tout ça, et c'est vraiment très cool. Bon, je pense qu'en ce moment, elle est occupée et tout ça, mais n'hésitez pas à la contacter. On ne sait jamais pour des diplômes Reiki, des trucs comme ça, des macramés, des œuvres d'art. Enfin bon, c'est elle qui fait ça. Et puis bon, elle fait des tas d'autres choses. Hein. Et c'est aussi elle qui m'a offert cette aventurine qui est juste là, cette pierre qui est là. Et donc voilà, merci à toi, Liliane. Dédicace pour toi. Et... les Vierges, sachez que si jamais vous... Alors, le plus important, les Vierges, si vous voulez... Vous connaissez la loi d'attraction, tous ces trucs-là. Tout le monde en parle en ce moment. Et puis, les sept principes hermétiques de l'univers, la loi de correspondance et tout ça. Alors, sachez, les Vierges, que si vous voulez me faire une donation PayPal, sachez que vous pouvez le faire et que l'univers vous rendra ça au quintuple. Bien entendu, tous les signes du Zodiac ont fait des PayPal, sauf vous, les Vierges. Il y a un petit problème en ce moment dans les comptes, les Vierges. En tout cas, sachez que je sais que vous n'êtes pas moins généreux qu'un autre signe, donc n'hésitez pas à me faire un versement PayPal et ne vous inquiétez pas pour les taxes et tout ça. Si moi, je fais des achats sur Internet, bien entendu que je serai taxé, mais ce sera moi qui sera taxé. Vous n'avez rien à faire à part raquer, les Vierges. Vous me faites un chèque là et puis moi, après, c'est moi qui me ferai taxer par PayPal quand je ferai des achats en ligne sur Internet et tout ça avec tout ce que je vais acheter. Bon, ça, c'est ma vie privée, les Vierges, ça ne regarde que moi, mais... Allez-y, lâchez-moi un bifton, les Vierges, lâchez-vous. Je vais tout de suite envoyer votre guidance, les Vierges, et on va savoir ce qui se passe pour vous. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, et c'est parti, les Vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les Vierges, de délivrer les bons messages à mes amis, les Vierges, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les Vierges. Mes guides, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les Vierges. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis, les Vierges. All right, j'adore ce deck-là. Cutting the deck for Virgos. Ok, les Vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges. C'est parti les Vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On commence très très fort les Vierges. En deux de deck avec la Queen of Wands, regardez-moi ce visage, regardez-moi ça, ça c'est vous les Vierges. C'est la puissance de la séduction par excellence. Regardez, elle a un chat sur ses genoux, mais ce n'est pas un chat les Vierges. Seuls les regards avisés savent que c'est un lion. Vous voyez un chat? En fait, c'est un lion qui se déguise en chat, mais en fait, c'est un lion qui assure les genoux de la Queen of Wands. Et moi, je suis capable de voir ça, les Vierges, êtes-vous capable de voir la même chose que moi, les Vierges, je suis sûr que oui. En tout cas, la Queen of Wands, son plus grand pouvoir, c'est celui de la séduction. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre potentiel de séduction, les Vierges, et que vous êtes en train d'avancer vers la victoire avec une énergie de feu. Vous avez le Ace of Swords in Reverse,
les vierges. Mais je pense, ça me parle de non-vérité, de non-communication, ça me parle de non-authenticité, ça me dit que la vérité n'a pas été dite et que la lumière n'a pas été mise, n'a pas transpercé les ténèbres encore. Vous voyez, regardez le dos de cette carte. Polarité masculine, polarité féminine, le yin et le yang de l'univers. Il y a encore des choses qui vous sont cachées, les vierges. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Regardez, Excalibur est à l'envers et Excalibur est toujours dans son enclos. Mais je sais que vous avez un cœur pur et que vous êtes des divines féminines, les vierges. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez incarner bien entendu la féminine sacrée. Je suis une féminine sacrée, je suis une divine féminine. Bien que j'ai un corps d'homme, je suis la polarité consciente de l'univers, je suis la réalisation, je suis Vénus incarnée sur la Terre, c'est-à-dire la richesse, l'abondance et aussi l'amour, tout simplement, les vierges, la divine féminine, la polarité sacrée de l'univers. Donc, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de pouvoir retirer Excalibur de son enclure. Et je pense que vous avez ce pouvoir et que vous allez le faire aussi, les vierges. Vous voyez, Excalibur est dans son enclos et dans ce rocher-là. Et là, vous arrivez avec un cœur pur et là, vous vous saisissez en fait de Excalibur et vous retirez Excalibur de son rocher pour pouvoir obtenir la vision supérieure du Falcon qui est juste là et pour avancer et réaliser tous vos rêves. On rentre vraiment dans le... C'est le deck des sorciers, hein. Ça part vraiment en soap opera ici sur Five Star. Mais ce que cette carte elle vient surtout m'indiquer, c'est que manque de communication, manque d'authenticité. Et c'est dommage, parce qu'on ne peut pas dire non à la Queen of Wands. Ça veut dire qu'on ne refuse rien à la Queen of Wands. Donc à mon avis, il y a quelqu'un ou quelque chose ou une énergie qui est en train de perdre son slip parce qu'il est en train de se rendre compte que là, il a fait une grosse bêtise, les vierges. Un download qui me vient là, mais vous voyez, The Lovers in Reverse. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous, ça, les vierges. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui vous a trahi, quelqu'un qui ne vous a pas montré de l'authenticité, quelqu'un qui ne vous a pas respecté, qui n'a pas vu la mesure de votre valeur, de votre sincérité, de votre puissance, de votre beauté. Encore une fois, vous êtes Vénus incarnée dans le monde terrestre, les vierges. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas fait les bons choix et qui s'en mord les doigts, les vierges. J'ai vraiment cette impression. J'ai le Magician in Reverse, le Hierophant in Reverse, qui me dit que les nouveaux cycles ne peuvent pas être commencés. Le Magicien, le Hierophant, est connecté aux quatre as du tarot pour un nouveau départ, aux coupes, aux deniers, aux épées et aux deniers du tarot pour un nouveau départ. Mais cette carte, elle est à l'envers, c'est-à-dire que la pierre philosophale est certainement tombée de la poche de quelqu'un, celle qui permet de transformer le plomb en or, celle qui permet de transformer les idées négatives en idées positives, celle qui permet... si vous voulez, de passer, vraiment de sauter les deux pieds joints dans l'air du Verseau, les vierges. Regardez, ça, c'est le bâton de la Queen of Wands, qui celui-ci est à l'endroit et permet aussi au retour du papillon de se faire. J'ai l'impression que cette énergie, ça, c'est vraiment l'énergie qui n'a pas su faire les bons choix et qui est en train de perdre son slip et qui est en train de revenir vers vous, les vierges. Parce que, bien entendu, vous incarnez la Vénus incarnée. Vous êtes Vénus incarnée sur la planète Terre, les vierges. C'est-à-dire, vous êtes Vénus incarnée, vous êtes la richesse. Vous êtes le charme, vous êtes la beauté, vous êtes la kind, generous, vous incarnez toute cette puissance, les vierges. Vénus incarnée, que vous soyez homme ou femme, c'est ce que vous incarnez sur cette terre. Vous incarnez la richesse et vous incarnez la beauté et vous incarnez l'amour sur cette terre, les vierges. Vous avez la Nine of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que justement, comme il n'y a pas eu de vérité et qu'il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu d'authenticité, donc forcément, rien ne peut se faire avec la Queen of Wands. Rien ne peut se faire avec la Queen of Wands. Ça, c'est vous. C'est la Pre-Empress qui possède tous les deniers et qui possède toute cette richesse, qui pourrait passer ce portail interdimensionnel, mais qui attend toujours sa counterpart, qui ne passe pas de l'autre côté. Mais pourtant, ça, c'est une personne qui est seule. Pourquoi elle est seule, cette personne? Parce qu'elle l'a décidé, parce qu'elle n'a pas de dépendance affective. Vous êtes quelqu'un de fort et de forte, les vierges. Vous êtes des signes extrêmement puissants. Et là, vous êtes à l'envers parce que j'ai vraiment l'impression que vous attendez en fait une certaine réalisation de la part de quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a laissé seul dans le froid avec le Five of Pentacles. J'ai l'impression que vous êtes vraiment balèze. Encore une fois, vous avez la High Priestess in Reverse.
Ça vient me dire, regardez, encore un croissant de lune. Quand la High Priestess, elle est in reverse, la seule chose que je vois là, c'est vraiment ce croissant de lune qui va arriver d'ici quelques jours. Les vierges, renseignez-vous sur Google, parce que sinon ça prendrait trop de temps sur la vidéo, mais il y a une lune là, le 11, qui est super importante. Mais cette carte, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des secrets qui ne demandent qu'à vous être révélés, qu'à être mis en lumière. Mais je pense que vous avez encore besoin pour que vous puissiez commencer ce nouveau cycle et que vous puissiez commencer cette nouvelle histoire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment, je dirais, un peu craché sur la perfection, les vierges. Excusez-moi de dire ça crûment comme ça, mais c'est vraiment ce que je vois pour vous. Vous avez énergie des cancers in reverse, le chariot. Encore une fois, regardez, c'est le yin and yang pony là. Vous voyez, ils sont noirs et blancs en fait. Et ils se dirigent où? Vers ce croissant de lune. Il va se passer énormément de choses avec toutes ces nouvelles lunes. Vous êtes en train de vous diriger vers la victoire. Alors, si cette carte elle est in reverse, peu importe, parce qu'elle elle vient symbioser en fait avec le Ace of Wands ici. Et ça vient vraiment montrer que vous êtes déterminé à avancer vers la victoire, de faire preuve d'indépendance, de n'être attaché à rien, à aucune dépendance affective. Et que c'est vous en fait qui possédez la vérité. C'est vous qui possédez. Regardez, ce papillon, il va pas tarder à vous rejoindre, les vierges. C'est vraiment cette impression que j'ai en fait. C'est que vous êtes un peu comme du miel en fait. J'ai vraiment l'impression que vous attirez le papillon. Et en plus, vous avancez vraiment vers la victoire. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de yin et de yang avec vous ce soir, avec le yin et le yang qu'il y a derrière. Et ça vient me dire aussi que vous prenez votre temps, que vous avez acquis une grosse maturation et que vous n'êtes pas pressé, les vierges. Parce que ça, c'est vraiment l'énergie la plus puissante, la plus rapide, pardon, du tarot. Et quand elle va se retourner, je pense que ça va aller très vite. Justement, ça va être vraiment... C'est comme si, en fait, toutes les cartes étaient retournées à un état de potentialité. C'est comme si, en fait, c'était vraiment une bombe qui allait exploser. Et j'ai vraiment l'impression que tout ça, en fait, si vous voulez... Mercure en rétrograde, c'est vraiment la communication. Et cette communication, elle est en train d'arriver pour vous, les vierges, ça ne fait aucun doute. Vous allez enfin pouvoir sortir des triangulaires, vous allez pouvoir sortir des peines de cœur, cette peine de cœur qui vous a fait très longuement souffrir. Vous avez longtemps refusé, en fait. J'ai l'impression que toutes les cartes que je tire, c'est pas vous, ça ne vous concerne pas, mais ça concerne cette personne qui est censée être votre counterpart. J'ai l'impression que cette personne... Elle est enfin en train de quitter le 8 of Cups pour se diriger vers le 10 of Cups, c'est-à-dire pour revenir vers vous, les vierges. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que cette personne, elle a pris longtemps à comprendre qu'il fallait qu'elle quitte le 8 of Cups pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir enfin tout avoir avec vous, les vierges, avec cet ange qui est derrière. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui vous attend. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'avait pas compris que vous étiez ça, les vierges, et qui est en train de se rendre compte de ça en ce moment. C'était une personne qui était perdue entre, si vous voulez, la luxure et la pensée. La luxure et la pensée, le sexe, la pensée, la boum boum, la pensée, mais jamais le côté spirituel. Jamais le côté spirituel n'avait son mot à dire. Et cette personne, elle est en train de s'éveiller, elle est en train de comprendre que le spirituel, c'est quelque chose de vraiment très important. The Wheel of Fortune, je viens de devancer les cartes une fois de plus, les vierges. Mais c'est normal, les cartes ne sont qu'un outil. Le Wheel of Fortune, c'est que les choses sont en train de changer pour vous. Les choses sont en train de changer pour vous. Vous avez le Ace of Pentacles in reverse. Ça vient vraiment me dire que... Vous savez, le Ace of Pentacles, c'est une énergie qui est lente. C'est une énergie qui est à l'arrêt. Mais c'est souvent cette énergie qui passe la ligne d'arrivée entre tous les cavaliers du tarot. Mais là, cette carte, elle est à l'envers. Donc, comme le fait que cette carte elle soit à l'envers, ça vient vraiment me montrer qu'il y a un retour, en fait. Il y a un retour, en fait. Il y a eu un départ, il y a eu une séparation et là, il y a vraiment un retour. Il y a un retour qui arrive vers vous, mais soyez forts. Soyez forts et soyez fortes, les vierges. À vous de dire oui, à vous de dire non. Moi, si j'étais vous, j'ai pas envie de vous dire qui aimer, quoi faire. C'est vous qui décidez, les vierges. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Vous êtes sur la défensive, ça c'est sûr. Vous êtes sur la défensive, mais vous avez raison. Est-ce que cette personne, elle va venir en vous montrant patte blanche, les vierges? Si jamais cette personne, elle vient vous voir en montrant patte blanche, alors là, je dis oui. Mais sinon, je dis non, bien entendu. Et vous le savez, les vierges, vous avez le Eight of Pentacles in reverse. J'ai l'impression que pendant longtemps, cette personne, elle a essayé de se noyer dans le travail et tout ça. Elle a essayé de vous oublier par tous les moyens, mais elle n'y est pas arrivée. Elle n'a pas réussi à trouver son étoile. Elle n'a pas réussi à trouver the stars. Elle n'a pas réussi à s'éloigner de vous. Et c'est une relation de destinée. Il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de bouger pour vous, les... Alors, bougez pas, les vierges. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait encore, mais je vais retourner toutes les cartes du jeu, là.
toutes celles qui étaient à l'envers, je vais les mettre à l'endroit, et toutes celles qui étaient à l'endroit, je vais les mettre à l'envers, parce que j'ai reçu une petite voix me disant de faire ça. Alors je vais le faire, et après je vais vous expliquer exactement, on va faire un peu de divination pour ce soir, je vais vous expliquer exactement ce qui va vous arriver très bientôt les vierges. Regardez bien ça. J'avais ce sentiment depuis le début, depuis que je quittais les... Depuis que j'ai... Ah d'accord, très bien. Magnifique, ce tableau il est magnifique. Écoutez bien ça les vierges. Avec Mercure en rétrograde et l'ère des poissons qu'on est en train de quitter, l'ère de l'illusion, on est en train de faire face à l'émergence du nouveau monde et de la nation arc-en-ciel, les vierges. C'est-à-dire que un nouveau peuple est en train de s'éveiller à travers la planète, un nouveau peuple qui ne répond à aucun conditionnement, à aucun parti politique, à aucune nation, à aucune race. Ce sont juste des gens éveillés qui viennent s'éveiller à l'unisson et retrouver leur enfant intérieur pour vivre dans la quintessence de la vie qui est d'apprendre et de prospérer, et non de dominer et de consommer. Et cette nation arc-en-ciel, ce sont toutes les personnes qui s'éveillent à travers la planète. Ce sont toutes les personnes qui ont décidé de dire non au passé et de dire oui à toutes les nouvelles potentialités. Ce sont ces personnes en fait qui ne répondent à aucune race, qui vivent au diapason avec la mère Gaïa en fait. C'est exactement ça. Et je pense que la vérité est en train de surgir, que la vérité va vous revenir. Regardez ça. La vérité va bientôt éclater, la vision supérieure du Falcon. Vous allez enfin pouvoir vivre votre histoire d'amour. Vous allez pouvoir enfin revivre une histoire de magie, un nouveau cycle avec la pierre philosophale. Ce sera quelque chose de concret, ce sera quelque chose de passionné. Et vous avez lutté pour ça, vous avez lutté pour ça, vous avez fait preuve de résistance et vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes la plus impressed, les vierges. Maintenant, on parle de vous. Regardez ça. Vous avez guéri du Five of Pentacles. Vous avez appris énormément. Des secrets vous ont été révélés, les vierges. Maintenant, vous avancez vers la victoire. Vous avancez vers la victoire. Vous êtes en train de travailler dur en ce moment pour vous réaliser. Vous êtes en train de sortir des peines de cœur. Vous êtes en train de quitter le Eight of Cups. Maintenant, vous ne vous laissez plus avoir. Vous ne voulez avoir rien d'autre que le Ten of Cups. Regardez, en dos de deck, j'ai la Queen of Swords in Reverse. Ça vient me dire que maintenant, vous arrivez à ouvrir votre chakra du cœur, les vierges, et que vous arrivez aussi à vous exprimer. Et regardez, la Queen of Swords, elle ne se prend pas la tête, c'est elle qui manifeste. Regardez, elle a une main qui est ouverte. Elle a une main qui est ouverte. Et ça permet, si vous voulez, au papillon de venir se poser dans la main et de pouvoir repartir. Elle a une main qui est ouverte, la Queen of Swords. C'est-à-dire qu'elle a sa vérité, regardez, elle possède l'intelligence, elle possède la vérité. L'intelligence, ce n'est pas une spécificité, ce n'est pas une spécialisation. La spécialisation nous amène à devenir des singes mécaniques pour pouvoir payer les factures à la fin du mois. Mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est avoir le bon compas, c'est pouvoir trouver le true north, c'est pouvoir trouver le vrai nord, c'est répondre. Une éducation, une vraie éducation devrait amener tous les êtres humains, tous les enfants du monde à savoir se fier à leurs intuitions pour pouvoir trouver leur vraie place dans le monde, dans un monde qui prospère. Mais pas devenir des singes mécaniques pour pouvoir répondre à l'ordre ou alors aux têtes bien pensantes des gouvernements. Gouvernement, gouverne, mind, d'accord? Télévision, tell light to your vision. Non, c'est pas ça dont on parle. On parle de la nouvelle société. Et regardez en fait la Queen of Swords, elle a vraiment une main ouverte et c'est ce qui permet au papillon de revenir. Parce que le papillon sait qu'il peut redécoller à n'importe quel instant, il ne se fera jamais étouffer par la main de la Queen of Swords. Et derrière, j'ai la carte de la Wheel of Fortune. Non, ce n'est pas la carte de la Wheel of Fortune, c'est la carte du karma en fait. C'est la carte du karma. Et ce n'est même pas la carte de la justice, c'est vraiment une carte qui est vraiment propre à ce deck en fait. C'est vraiment la carte du karma, c'est la carte du monde en fait, la carte 20. La carte 20. C'est quoi la carte 20? Alors, bougez pas là. J'ai l'impression qu'il y a, vraiment... Je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Ceux qui sont vraiment très meilleurs que moi, vous le savez déjà, bien sûr. Mais le jugement. D'accord, c'est la carte du jugement. D'accord. C'est exactement ça, la carte du jugement. Regardez bien ça. Merci mes guides. La carte du jugement. La carte du jugement, regardez la pleine lune qui est derrière. La pleine lune qui est derrière, qui symbolise le nouveau monde. Et là, regardez, le jugement. Regardez cette famille-là, elle vient worshiper le nouveau monde. Ça, c'est vraiment l'émergence du nouveau monde. On n'est plus en train de prier les vieux temples, on n'est plus en train
de prier, en fait, de se retrouver autour d'une religion, d'un système de pensée, d'un dogma ou à des légendes. Là, on est en train de worshiper le ciel, les étoiles. Regardez le monde, Mother Gaia, avec quelqu'un qui... Regardez, ça, c'est l'émergence du nouveau monde, le monde des sorciers et des wizards. Regardez ça. C'est le monde de demain, le monde du Ace of Cups. Ça, c'est le monde de demain, c'est le monde de demain. On sort de la pétrification, on sort du healing, on est en train de se réaliser. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que comme votre main, elle est ouverte, le papillon peut revenir et peut repartir. Cette main ne va jamais étouffer le papillon. Et la personne qui revient vous voir, elle a conscience de ça. Elle sait qu'elle peut revenir vous voir parce qu'elle ne sera jamais enfermée avec vous. Elle sera toujours libre et elle pourra toujours repartir. Elle pourra toujours aller lui bon où bon lui semble parce que vous serez aimé cette personne inconditionnellement. Les Vierges, vous représentez l'amour inconditionnel, les Vierges. Vous êtes des grands sages et vous êtes vraiment des personnes qui êtes vraiment extraordinaires, les Vierges. Laissez-moi vous dire ça, les Vierges. Vous êtes un signe double, comme les Gémeaux et les Poissons, les Vierges folles et les Vierges sages. Et quand vous arrivez, en fait, à mixer les deux, vous devenez des vierges divines, en fait. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de devenir, les vierges. Laissez-moi, les vierges, juste vous faire un dernier reading, là. Boum. C'est une sagesse chinoise, les vierges. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Vous êtes le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est vous, les vierges. Vous possédez ce pouvoir, cette force, qui est reconnue de tout et de tous et de toutes, les Vierges. Voilà, les Vierges, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci.